Ah, bah c'est trop bien, puisque il y a donc 18 ans, on était comme des chiens galeux en train de monter notre premier film à Altra, mais on n'était qu'une toute petite bande. C'est vraiment marrant, hein, parce que là, hier, je suis retombé sur. Enfin, on n'était pas encore prêt d'aller, enfin, début août, là, on n'était pas encore complètement prêt à tourner. Il nous manquait encore une personne, il nous manquait encore un assistant de caméra. On n'était que 8, mais il nous manquait une 9e personne. Et on a fait passer une petite annonce dans Bruxelles, et on était dans le quartier Saint-Gilles, que j'adore, enfin bref. On avait écrit aussi avec Gus là-bas, donc on s'était attaché au quartier, mais on était pendant le mois d'août, il y a beaucoup de gens qui sont partis, donc il reste que les plus affamés. Et donc on était dans un bar, il n'y a qu'une seule personne qui avait répondu à notre petite annonce. Dans un journal professionnel de Cinoche belge. Et on attendait plus que lui, en ayant peur. Et on voit un jeune mec arriver de loin, et en plus, il boitait, quoi. Donc on se dit, putain, pourvu que ce soit pas lui. Parce que là... Et c'était lui, quoi. Et on discute avec lui, en plus, enfin, il s'appelle toujours Jackson Alizondo. Et en plus, il nous disait, ouais, j'aimerais bien être pris, mais j'ai pas de papier. Donc, un sans-papier boiteux, donc ça faisait beaucoup. Sauf qu'en discutant avec lui, en plus, il nous dit qu'il a jamais fait de long métrage de sa vie, sauf un, Rapone, un film sud-américain, mais extraordinaire, que nous, on adorait, quoi. Donc, dès qu'on est rentré, on a essayé de vérifier qu'il ne nous avait pas menti. Il avait vraiment fait partie de l'équipe. Donc, on l'a pris sur le champ et il nous a suivis pendant tout le tournage. Donc, c'était chouette. Et aujourd'hui, 18 ans après, parce qu'ensuite, il a eu des galères de papier, mais il a continué à travailler dans le cinéma, soit du côté sud-américain, soit du côté belge. Et c'est un bon, quoi, maintenant. Enfin, ça, déjà à l'époque. Mais du coup, on s'est revus hier. C'était trop sympa, quoi. Enfin, c'était trop marrant. Et là, depuis, nous étions avec Gustave devenus les invités d'honneur du festival de Bruxelles. Donc, passer du bar malfamé à ce salon, enfin, qu'est-ce qui s'est passé, on peut se demander. Ben, c'est-à-dire que comme je dis souvent, tous les deux, hein, chacun de notre côté... Tout seul, on a peur de tout, enfin, on doute de tout, et à deux, on n'a plus peur de rien. Donc ça aide, c'est-à-dire que le cinéma, c'est quand même un sport collectif, et donc on a besoin, c'est pas comme écrivain, on écrit son livre, et voilà, c'est bien, c'est pas bien, mais en tout cas, c'est ce qu'on a dans la tête, et un stylo, une machine à écrire, un ordinateur. Mais alors que monter un film, ça veut dire convaincre énormément de gens, convaincre déjà tout au départ un producteur, une équipe technique, des gens... Des acteurs, etc. Donc c'est quand même un art qui pour arriver à ses fins, nous oblige à côtoyer et convaincre beaucoup de gens. Et le fait d'être à deux, ça nous permet de le faire, et de le faire en nous amusant, puisqu'il quand même, c'est pas, on le fait pas dans l'angoisse, et je pense que les gens le sentent aussi. Quoi. On pourrait faire buter le patron par un professionnel. C'est une bonne idée. Quelque chose. Oui, c'est mal à Louise. Elles en ont volé des fusils. C'est peut-être bien qu'on parle du... Combien ? 20 000 euros. Laissez-moi réfléchir un petit peu. T'es d'accord ? Alors, il y a des marginaux, mais c'est pas seulement des marginaux, c'est des gens de la société, des vrais gens de la société, quoi. Pourquoi on veut montrer ces gens-là, c'est parce que, tout simplement, c'est une volonté politique et philosophique. C'est-à-dire qu'on n'a pas du tout envie de jouer le jeu de ce qui fait la plupart des films américains et des clips, etc., de montrer des gens pleins de pognon, ou qui, en tout cas, aimeraient en avoir plein, qui sont dans des grosses voitures et qui se flinguent à tout va, etc., etc. Nous, personnellement, on n'a pas envie de jouer ce jeu-là, on a envie de montrer depuis le début, hein, une société de gens qui justement sont déjà dans la sous-consommation. On veut les montrer avec assez d'amour pour que ça donne plutôt envie aux gens de devenir comme eux, plus que d'essayer de gravir un à un l'échelle sociale qui est quand même bancale, quoi. Ça fait 30 ans qu'on... Enfin, là, en fait, notre 30e saison de Groland, hein, donc...
on va dire que c'est une déformation professionnelle quand même, même quand puis on a du mal à voir les choses sérieusement, parce que quand on les voit sérieusement, ça fait tellement peur, quoi. Et c'est tellement une machine infernale qu'on alimente toute la journée, quoi qu'il arrive. Il n'y a rien qui semble pouvoir nous en empêcher. Donc, au moins un peu d'humour là-dedans, ça permet de tenir le choc, quoi. Et nous-mêmes, dans les films, c'est souvent de nous-mêmes qu'on se moque, quoi. Par exemple, le film qui va passer ce soir, Effacer l'historique, c'est vraiment... c'est nos problèmes avec Internet et notre impuissance face à ça, et c'est de nous-mêmes qu'on se moque, quoi. à part peut-être les sextapes, hein, parce que les dernières qu'on a faites, c'était peut-être en VHS, hein, bon, mais alors je sais pas si c'est une culture rock, c'est pour ça que c'est bien d'être ici, enfin, ce sera peut-être la seule rétrospective qu'il y aura jamais de nos films, mais tant mieux, parce que c'est une culture plus anarcho-artistique, quoi. Enfin, c'est pas un hasard si j'étais hyper content de revoir Noël Godin pendant ces plusieurs jours, là. C'est lui qui, non seulement m'a fait découvrir plein d'auteurs anarchistes, mais en plus m'a fait découvrir plein d'artistes ici qui ont des propos et des propos anarchistes, mais qui dans la vie se prennent pas au sérieux pour autant, et qui le font dans la bonne humeur, etc. Et c'est avec eux qu'on a vécu des aventures hors cinéma vraiment étonnantes, et donc oui, c'est rock, mais en soi c'est rock, enfin en tout cas le rock ça devrait être ça devrait être un truc un peu quand on parle du punk, moi ce que j'adorais dans le punk c'était le côté, genre, on sait pas jouer à la guitare, mais c'est pas grave, et puis on part en hurlant, et bon, mais voilà, quoi. Bah, nous, notre cinéma, c'est un peu ça. On n'a pas fait d'études, on fonce là-dedans. Enfin, heureusement, dans notre petite équipe, il y a des gens qui sont un peu plus au point techniquement que nous. Mais en tout cas, c'est comme un groupe de rock, quand même, effectivement. Première journée de retraite, et c'est anarchie. Tu casserais bien ta petite gueule de je m'en foutis, toi, s'il n'y avait pas ma femme. Connard. Tu t'as rangé ta gueule, toi, avec ta casquette. Connard. T'as mal fait les courses, t'as mal téléphoné, t'as mal bricolé. Faut faire quelque chose, Serge. Prud'homme. Donc vous vous souvenez des entreprises qui manquent ? Bah heureusement, j'ai une mémoire d'éléphant. À la limite, je trouve que oui, malheureusement, avec le temps, on comble ce silence, quoi. Donc, c'est un peu dommage, parce que je dis souvent, ces deux derniers jours, c'est tout. Mais on est un peu comme on est autodidacte, effectivement, quand on vient plutôt du scénario de sketch, etc. Donc, le cinéma, on l'a appris sur le tas, comme ça, avec notre petite équipe, en commençant par un film fauché. Donc, mais j'ai l'impression qu'on est comme des saumons qui remontons l'histoire du cinéma petit à petit, quoi. Donc on a commencé quasi par le cinéma des débuts, quoi, le cinéma sans parole, avec le must, c'était quand même Avida, mais comme le héros était sourd-muet, du coup on était il n'y avait pas de dialogue. Mais peu à peu, ça y est, on commence à de plus en plus parler, ce qui est forcément un peu dommage. Et je sais pas, parce qu'on a un projet en route, mais enfin en écriture, quoi. Mais on n'a pas l'impression que ça enthousiasme énormément de gens. Mais bon, en tout cas, nous, ça nous fait rire. Donc, si on arrive à le faire, en tout cas, ça sera un retour, un budget très 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 petit, parce que on se sent un peu. Mais c'est pas grave, hein, nous, si on arrive à faire ce truc-là, alors là. Bon, après, on sera grillé, mais c'est pas grave. Soit mort, soit grillé, voilà, à voir. C'est pire qu'un bracelet électronique, cette merde. Saloperie. Les vidéos qui sont parties en enfer, dans un data center hyper sécurisé. On va aller les chercher nous-mêmes. On a pris le rond-point de Leader Price, on va pas se faire emmerder par deux data centers.